des cancans. Ils sont en train de faire. Ils ont fabriqué des ballons de anti-stress. Regarde. C'est Basmas qui les a fabriqués. J'ai gonflé. Oui. Regardez le mur de papa dans son bureau. Angie. Comme si je. Si ce matin qu'il l'a fait. Il faut que ça sèche encore. Il y a des traces un petit peu, mais il faut que ça sèche. Ouais, mais ça va. Franchement, il est beau. C'est très, très, très joli. J'adore comme c'est coloré. Ça fait l'été, la joie, le printemps. Ah ouais. Oui. On voit. Ça va. T'as vu ça, ouais. Ça c'est ouais. Joli. Attends, je prends l'appareil, les amis. Je recule. Et ça, ouais, ça prend tout le mur comme ça. Oui. Ouais, ça rend bien. Eh oui, il est beau. Ouais, ça rend joli. Ça fait la joie, le printemps. Eh oui, mais j'ai pris. Non, c'est l'été, pas le printemps. Et cet après-midi, peut-être, on va regarder un meuble pour. Ouais. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre un meuble en bas, là. Oui. Pour pouvoir mettre des trucs dessus, décoration. Et là, mettre une petite étagère. Et là, il y aura. Il y aura les caméras, les choses pour quand on sera en live. Mais bon, on va pas faire 50 000 lives. Mais voilà, ça sera mon petit endroit pour travailler. Là, il y a l'imprimante. Là, il y a la roue de la nocturne. C'est la télé confortable. Ben ouais. Et voilà. On va commencer à mettre des petites pop, tout oui. Ça. On va mettre un petit rideau là. Ouais, il y aura un petit rideau ici. Et voilà quoi. Et ça sera le fond. Ouais, c'est joli. C'est très très joli. Voilà, il faut que je coupe encore en bas là. Avec le cutter, mais j'attends que ça sèche. Je viens de le faire là sur la plainte là. Attends, calme. Non, c'est pas un jeu. Allez, on descend. Non, c'est pas un jeu. Après ma chaise, elle va avoir du jeu, tout ça. Non, c'est pas un jeu. Il faut que je les coiffe. Tiens, on manège plus tard. Faire à manger. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter ma chambre. Non, pas ta chambre. Ton lit. Oui, mon lit. Ouais, voilà. Voilà, on va acheter le lit de Masmas. Et après le meuble pour là aussi. Donc on va sortir. Regardez-moi là. Elle me jette sa boule. Et de l'eau. Venez dehors. Il y a de l'eau dedans. Elles ont pris un petit ballon. Elles ont mis de l'eau dedans. Et regardez, ça rebondit. Et elles m'ont demandé de leur faire un nœud. Ça fait comme une comme un truc anti-stress. Ouais, voilà. Enfin voilà. Bon, on va manger. Ouais. Maman a préparé un bon repas en plus. Arrête de me jeter ça dessus, toi. Coquine. Et c'est parti, on se retrouve cet après-midi pour aller acheter la chambre de. De ma sœur. De ma sœur. On va regarder si on fait. Si on le trouve pas maintenant, on cherche dans la semaine. Oui. Oui. Là, les filles vont mettre leurs habits. Depuis ce matin, ils sont décoiffés parce qu'ils ont joué dans le jardin, ils ont joué partout dans la salle de jeu. On a fait aujourd'hui, si. Un petit peu miracle, il a rangé la salle de jeu, il a ouais, bien rangé. Dès ce matin qu'elle s'est levée, elle a rangé. À 8h du matin, elle a rangé. Allez, viens, montre-nous ce que t'as fait. Allez, on montre la salle de jeu, les filles. Allez, on court. Le repas, il est prêt. Il faut juste mettre les habits. On mange, moi aussi, je vais mettre mes habits. C'est facile pour fabriquer ça. Ah oui? Ouais. C'est grâce à un livre que j'ai. De toute façon, t'as mis quoi? T'as mis de l'eau dedans? Oui, en fait, il faut mettre de l'eau dans un ballon. Oui. Après, il faut faire un nœud. Après, il faut couper ce que ça dépasse. Là, tu vois? Ah. Et il faut couper ce que ça dépasse. Et il faut couper aussi un autre ballon, tout le truc du ballon. Et après, tu prends le ballon plein d'eau. Tu le mets dans le ballon que t'as coupé et tout le truc. Et ça fait un anti-stress. Ah, c'est bien. Pardon. Ben voilà ce qu'il a fait quand regardez. On a tout est bien rangé. Il est passé juste l'aspirateur. Là, et ça va. Là, c'est des déguisements. Il faut qu'on, moi et le papa, on les range bien. Comme ça, on va les mettre dans les placards. Comme ça, aussi, ils sont en nos déguisements. Il a tout bien rangé. Ce petit moustique, il est très fort, machallah. Et elle a même rangé le salon. Oui, elle a rangé aussi le salon. Bon, après, je passe. J'ai un coup de serpillère. C'est propre, mais j'aime juste encore passer une petite serpillère vite fait. Comme ça, on est sûr d'être. Pardon, les amis. Tout est propre. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a fait tomber le ballon. Elle le croque. Oui.
Bah aujourd'hui, Inch'Allah, on va remettre le salon bien, tout ça, tout bien. Bah là, on va préparer la table, les filles. On prépare la table, on va manger. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé, vite fait. Il n'y a rien de fou. Voilà, du nugget avec des pâtes. Les pâtes, c'est à la crème avec des épices. Allez, venez, bon, les filles, on se prépare pour partir. Les filles sont prêtes. C'est Moustikos là. Ils ont joué un petit peu dans le jardin. Chut, t'as pas maman comme ça, toi. Et Kamkam aussi. Kamkam Massilia aussi, il est prête. Bah, on met les chaussures, les filles. Et on met le manteau. Kamkam. Tiens, monte ça dans la salle de jeu, ma chérie. Allez, c'est parti. On va acheter le lit de Mas-Mas. Oui. En plus, il fait beau, il fait chaud. Viens, on va s'amuser. Oh là, comme je t'aime. Non, je rigole. Non, il fait très 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 beau. Et c'est parti, on va aller acheter le nouveau lit de Mas-Mas. Il lui tarde, elle est contente. Si, garde quand même ton manteau. Il fait un petit peu frais. Il fait un petit peu frais. Je n'aime pas froid. D'accord, enlève ton manteau. Mais tu le prends quand même dehors. Parce que si le soleil se couche ou il y a un nuage, il va faire beaucoup plus froid. Garde-le avec toi, ton manteau. Voilà. Moi aussi. Tu Mas-Mas, elle est en train de regarder les lits. Et elle a bien aimé celui-ci. Ouais. Je veux. Parce qu'il y a... Non, mais c'est pas toi. Toi, t'as déjà ton lit, Camilla. Ah, et j'en prends une petite cabane cachée. Ouais, ça fait comme une petite cabane. Et on tire ça aussi. Ça fait comme ça, un petit bureau. Donc voilà, 159 euros. En plus, je trouve que le prix est raisonnable. Ouais. Maman, je vais aller dedans. Ouais. Si elle veut ça. Non, oui, bien sûr. Si elle veut ça, on va prendre ça. Tu veux celui-ci? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Et les Kamkam, ils vont faire un truc en bas. Oui, pour un jouet, oui, bien sûr. Après, s'il se fait. Et même dessous, tu peux mettre du rangement. Ça fait de bien. Non, je les laisse pour eux. On met un petit truc en bas. Ils mettent des coussins, tout ça. Ils jouent en bas. Des coussins, ouais, mais ouais. Cette cachette, je sais ce qu'ils veulent. Genre une cachette, ils sont toutes les deux. Non, mais c'est bien. Tu veux ça? Oui. Avec le bureau, ça fait 159 euros plus bureau 70 cm, caisson. Bon, le bureau c'est. Mais maman, c'est la pâte à fixe. C'est 69 euros et le caisson c'est quoi? Non. C'est quoi le caisson? Je sais pas. On va prendre celui-ci pour Mas-Mas. Mais non, je voulais celui-ci. Non, mais regarde comme il est petit celui-ci. C'est même pas 190. Ah, il est pas mal pour toi, Kamkam. Mais tu vas vite grandir. Non, on a fait le tour. Il y en a des jolis, comme celui-là, par exemple. Il y en a des très, très jolis. Mais t'as vu, si on aurait eu des triplés, à ce moment, on aurait pris celui-là. Non, Mas-Mas, elle va rester sur celui-ci. Elle a beaucoup aimé celui-là. Il y a la petite cabane dessous et tout. Et en plus, franchement, ça nous arrange parce qu'il est pas trop cher. Bon, allez, on va aller chercher quelqu'un et on va prendre ça. Bon, voilà, les amis. Attends, je vais supporter le matelas, Asma. Après, ils vont dire, tu laisses porter ta femme et tout. Non, c'est pas lourd. Non, il est pas très lourd, tout ça. Bon, on doit récupérer le lit au dépôt, le lit de Mas-Mas. Mais il manquera une partie, ce qui fait office de cabane dessous. Oui, c'est pas ouais, c'est des genres de protège. Enfin, pas de protège. C'est comme... Qui font la fermeture. Qui font une cabane. Oui. Ouais, ça fait comme une cabane. Ça, ça arrivera que dans 10 jours. J'ai choisi un bruit. Et on a pris un meuble aussi pour mon bureau. Ça aussi, ça arrivera rien que dans 10 jours. Donc voilà. Un meuble. On vient juste de rentrer à l'instant. Les filles sont en train de goûter du thé avec une brioche, du beurre avec du miel. Et voilà, il fait toujours beau, franchement, je crois que c'est même ces 4h là et demi, ou 17h, et ça va, il fait beau. Alhamdoulilah. Bon, je vais bien ranger le salon, vu que Mas-Mas maintenant, on a acheté son matelas, tout bien. Ça va, je vais bien ranger mon salon. On voulait partir jusqu'à la boutique arabe pour regarder les tables, tout ça, mais en fait, c'est mieux que je parte que moi et le papa. Vu qu'il y a les filles, plus qu'on a acheté le lit, les trucs, c'est pour ça. Je sais pas si je vous avais montré les rideaux que j'ai achetés avec le papa, regardez, ils sont jolis.
On voit pas bien que c'est doré, que ça brille. Ils sont là. J'ai pas fait encore l'autre fenêtre, mais on va faire petit à petit. De toute façon, là, je vais commencer à faire le ménage petit à petit. Le ménage, juste ça, les tissus, les choses. Allez, bon appétit. Bon appétit. Je sais pas pourquoi ici c'est comme ça. Là derrière les arbustes, il y a deux petites filles en vélo et je les ai vues tout à l'heure regarder notre nom sur la boîte aux lettres. Donc je pense qu'elles savent qu'on habite ici et elles viennent pour voir si elles peuvent voir Massilia et Camilia. Et elles sont là depuis tout à l'heure et regardent là. Parce que les filles elles sont en train de jouer en bas, elles voient la mas-mas. Elles sont en train de jouer sur le côté là. Et voilà, donc elles sont là. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais elles sont juste derrière là. Derrière cet arbre par là. Regardez ce qu'elles sont en train de faire. Elles prennent de l'eau. Il y a un truc d'une plante là. Regardez, elles sont en train de faire je sais pas quoi, une expérience là, de touiller. Regarde. Ah ouais. T'as froid maintenant, t'as froid mais. Hein ouais. On va rentrer à la maison. Ouais, essuyez-vous les mains. Attendez. T'enlèves tes bottes et je vais vous donner un truc pour vous essuyer les mains. Ouais, donc les deux petites abonnées, si vous reconnaissez, on vous fait coucou. Et et voilà. Et voilà, voilà. Mais je sais pas, papa. Coucou. Non, mais ouais, là, je crois qu'elles sont parties. Elles sont parties. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas 50 000 qui vont venir comme ça devant la maison, etc. Parce que sinon... Non, là, elles sont parties, je crois. Mais je les ai vues tout à l'heure, elles ont regardé sur notre boîte aux lettres. Regardez, ça, c'est le matelas sur lequel Massilia dormait en bas. Et Camilia fait de l'escalade. Parce que non, mais si tu la fais bouger, après elle va tomber. C'est pour ça que je te dis non. D'accord. Voilà, maintenant chacun son tour. Si tu tombes, c'est ton problème. Non, mais si moi je tombe et elle me fout bouger, ben je vais tomber sur le carrelage. Voilà. Comme tout à l'heure, ben je vais tomber sur ça. C'est vrai? Et voilà. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, quand ça allonge. Ah, tout à l'heure, oui. Alors, j'étais allongée là, elle m'est montée dessus, elle a glissé. Elle est partie la tête la première, comme ça. Et heureusement qu'il y avait ce tabouret qui était juste là. Parce que et si elle, y a le carrelage... Elle a tapé la tête sur le tabouret. Sinon, s'il n'y avait pas eu le tabouret, elle aurait tapé j'ai la tête sur là. Le... Ouais, elle aurait tapé la tête sur le tapis. C'est pour ça que je vous dis de faire attention, les filles. Il t'a sauvé la vie, Kamka. Ah ouais, le tabouret, il t'a sauvé parce que parce sinon... Parce que si y a le carrelage... Non, mais je l'ai retenu. Je savais pas qu'il y avait le tabouret, donc... C'est le tabouret l'a plus arrêté que moi. Mais enfin, bref. Il est gentil, le tabouret. Ouais. Bon, allez, moi, je vais monter le lit de Mas-Mas et je vais vous montrer ça juste après, une fois que ça sera terminé. Arrête. Voilà. Habib, il a bien avancé. Mas-Mas, il va dormir, Inch'Allah, ce soir dans son lit. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ils sont en train de prendre la douche, les filles. Le bain, pas la douche. J'ai préparé son tapis, tout ça, je vais bien préparer ce soir, Inch'Allah, sa chambre, comme ça, elle est contente. Elle m'a dit, alors, je vais bien jouer avec Cam-Cam, comme ça, le temps, il passe vite. Comme ça, quand elle sort... Ouais, comme ça, lorsque je descends, mon lit, il est prêt. Je suis obligée de faire de la main gauche, là, j'ai du mal. Il va encore bien ranger son dressing, hein. Oui. Ouais. Parce que là, c'est pas terminé. Ben non, hein, c'est loin d'être terminé. Regarde là tout. Le piano, le synthétiseur, il va partir dans la salle de jeu. Oui. Et là, il a une petite étagère. Bon, c'est une grande étagère. Et je vais mettre de la décoration sur ça. Ça fasse joli. Ça remplit un petit peu la chambre. Ouais. De toute façon, on fera un retour, les amis. Là, il y a le lit, mais il y a le bar qui est caché, comme ce que vous avez vu dans l'après-midi. Et là, ce qui fait office de cabane, et eh bien ça y est pas. Ce sont des pièces supplémentaires, ouais. Et c'était sur commande. Donc on les aura dans 10 jours. Oui. Donc soyez patients, après il y aura le room tour. On fera un beau room tour pour les deux chambres, la chambre des filles. La chambre de Massilia, la chambre de Camilia aussi. Camilia... Ça se voit, elle est là, elle dit, ah, le lit. Oui, parce qu'il y a l'échelle. Parce qu'il y a l'échelle, parce qu'il y a la cabane dessous. Parce que
normalement on peut acheter un toboggan en bois pour l'accrocher aussi de plus. Ça dépend. Bah ben voilà le lit de ma semence les amis. Il manque la partie là et devant pour faire la cabane. Mais ben, c'est déjà pas mal. Bon franchement ça a été rapide pour le monter. C'est pas le plus dur. Ma semence est dans le couloir, elle vient juste de sortir du bain. Et je lui ai dit attends. Donc on va voir sa réaction. Allez tu peux venir ma semence. Waouh, il est trop beau. Il est trop beau. C'est qui arrive? Cam Cam. T'aimes bien? On t'a mis le matelas neuf. Mets pas les mains sur le plafond. Ah oui. Tu vas faire des traces. J'enlève les chaussons. Ouais, t'enlèves les chaussons aussi. Voilà, on saute pas. Non, on saute pas, ma chérie. Il y a des lattes, après vous allez les casser. Bon, il y en a une de rechange, mais c'est pas une raison. On saute pas sur le lit, d'accord, ma chérie? Mais on a des autres. Des autres quoi? Ben, il y a des autres bains. Non. Alors, ça va, c'est bien. Et j'adore. Ouais, elle commence à sauter, elle met les mains sur le plafond. Oh. Elle veut que papa fasse la peinture le jour où on part. Dans toute la maison, parce qu'elle met les mains sur tous les murs et tout. Ouais, ici. Non, ça c'est pas le mur, c'est le plafond. Ouais. Bon voilà, bon, en tout cas c'est... ça rend bien. Ouais, c'est trop. Là je vais passer l'aspirateur. Camilia, je t'ai dit tu sautes pas. Assieds-toi, j'ai trop envie de sauter. Là c'est, ouais, c'est le rideau qu'il y avait dans la chambre de Camilia. Ouais. Mais je sais pas, peut-être qu'on le changera ou on le mettra d'une façon parce qu'il est trop long. Ouais, je vais mettre les jouets là. Voilà, bon, on va pas trop vous montrer parce qu'il y aura le room tour. Et voilà, mais on va mettre des décorations là-haut, là, on mettra des trucs. Et on arrangera le dressing. Là, il y aura sûrement son bureau peut-être, ou là-bas dans le coin. Là-bas dans le coin, son bureau, tout ça. Et voilà. Enfin, vous verrez. Vous verrez le jour du room tour. Contente, ma soeur? Oui, trop contente. Ouais, ça se voit. On saute pas, d'accord? Je saute encore une fois après j'ai vu. Mais elle est incroyable elle. Je lui dis tu sautes pas, mais tu dis je veux sauter encore une fois. Alors imagine qu'on va pas être là. Hein? En fait on n'a pas le droit de sauter sur l'île parce que sinon. Sinon tu vas le casser. Moi j'ai pas le droit parce que sinon le pied il va se tordre. Voilà, alors tu sautes pas, d'accord? Il a le minage. Même pas une fois. Ouais, parce que il y a du polystyrène, il y a des choses, ouais, un coup d'aspirateur. Ça je vais le ramasser là-bas, les boulons, tout ça. Ouais, il faudra aménager un petit peu la chambre. Parce que ma semence, il faut pas qu'il y ait de la poussière, sinon elle se gratte. Se gratte le nez, ouais, c'est vrai. Il y a un truc, ça sort toujours bien. Bah voilà, voilà. Mais ça rend bien en tout cas. Moi je trouve que c'est un bon choix. Quand il y aura les barres dessous et tout. Ah, j'ai avec les barres là. Ouais. J'ai pensé même lorsqu'ils vont être là, je vais mettre un petit rideau rose. Là. Ouais, c'est ça fasse joli. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est non, vrai. Mettre un petit tapis ou une petite. Ben, on a acheté un tapis, c'est le grand tapis ah, de. Oui, c'est oui, elle a un beau tapis. Oui, mais là, je vais le mettre ici. On mettra là, au milieu. Là. Au milieu par là. Il est là. Ben voilà, ouais, on a acheté un beau tapis. Il est où, du coup? Donc, ben, de toute façon, vous verrez tout ça le jour du room tour. Mais en tout cas, ça rend bien et moi, je trouve qu'elle a fait un bon choix. Il est bien le lit. Ouais. T'as bien choisi, mon chéri. Regarde, judo. Non, ouais, parce qu'elle est sortie, elles étaient au bain toutes les deux, ouais. Elles sont sorties très vite. Elle m'a dit, elle a terminé, papa, j'arrive. Bon, les amis, tout le monde est au lit. Cam Cam s'est endormie sur le canapé. Masmas, elle a lu un livre, elle est partie. Et on n'a pas filmé la fin de journée comme d'habitude. Maman, elle est sur le canapé, là, elle est en train de dormir. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve... plus tard pour une prochaine vidéo, un nouveau vlog. Et j'espère que celui-là vous a plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!